Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à Clash Royale. Donc j'ai terminé mon petit week-end repos. Bon, je me suis pas vraiment reposé hein, parce que moi j'y arrive pas, je suis comme ça, je suis toujours. Merde, putain. Je suis toujours en mode. Voilà, bon. Donc, voilà, j'ai pas réussi vraiment à me reposer, mais c'est pas très grave, on commence bien. Hein, voilà, j'ai un peu réarrangé un peu mon bureau, tranquille ou pepperoni. Voilà, j'ai une bonne manette d'Xbox, enfin j'ai tout ce qu'il faut, tu vois, il n'y a pas de souci, hein, normalement il y a tout qui va bien. Normalement, ça se passe bien, tu vois. Donc là, malheureusement, on n'a pas de coffre d'or, parce que comme un con, la dernière fois, j'ai cliqué un peu trop vite, et vu que ce jeu est extrêmement fluide, j'ai jamais vu ça, bah ça a ouvert le coffre d'or. Du coup, j'ai eu le démon, mais, pour remédier à ça, attention, deux coffres à couronne, les gars. Eh oui! Ah ah! Alors on fait moins les malins maintenant, hein? Hein? Genre, ah ouais, il n'y a pas de coffre d'or! Ah ouais, bah non, bah dans ce cas, bah va te faire foutre. Et bah moi, je vous dis, il y a deux coffres couronne. Donc c'est encore mieux, parce que coffre couronne, il y a deux fois plus de choses. Donc pour ça, arrêtons de dire de la merde, on va commencer par ouvrir le coffre gratuit, hein? C'est ce que tout le monde attend, je pense. D'ouvrir un coffre, voilà, donc 48 d'or, ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. Deux bombardiers, ça fait toujours plaisir, parce que j'aimerais bien les avoir niveau 9, ceux-là, putain, ils sont puissants, mais un truc de ouf. Tesla, bah, je m'en fous un peu, hein. Vu le nombre de cartes que j'ai, et vu le numéro, le niveau que la carte est, hein, ça se voit que je m'en fous un peu. Donc 43 d'or, ça va. Les gargouilles, ça fait plaisir. Bon, je peux toujours pas les augmenter parce que bah, j'ai pas de pognon, tout simplement. Donc la Valkyrie, bon, ouais, c'est vrai qu'elle est puissante, mais bon, je m'en sers pas vraiment. Ouais, donc si on a quoi d'autre? Donc 35 d'or, ouais. Deux gobelins à lance, ouais, ça fait plaisir, hein. T'aurais pu m'en donner plus. Ah, bah voilà. Non, parce qu'en fait, ils demandent des flèches, tu vois. Du coup, bah, du coup, j'ai moins de flèches, tu vois. Et donc, du coup, je peux plus les améliorer. Mais là, du coup, j'ai récupéré mes flèches. Et du coup, je peux les améliorer. Bon, je pense que vous avez pas bien compris ce que j'ai dit, mais ça, on s'en fout un peu. Ouais, donc 32 d'or, ouais, ça fait plaisir. 5 squelettes. Regardez un peu, j'ai 200 squelettes presque. Il me reste plus que 200 et je peux les mettre niveau 9, quoi. Oh là là, et je pense que c'est eux que je vais mettre en premier niveau 9, quoi. Donc encore une Valkyrie, bon je m'en fous un peu. Si on a quoi? On a 32 or, ouais. On a 5 gobelins à lance. Ça fait plaisir. Et on a un géant les gars, on a un géant. Bon je suis un peu fatigué, hein, donc si je suis pas trop dynamique, m'en voulez pas, c'est normal, voilà, malgré que j'étais censé me reposer, je suis extrêmement fatigué. Mais bon, c'est pas très grave. Donc gobelins, ouais, 5 gobelins, ouais, c'est ok, bah pourquoi pas. Non, mais non, à fond. On va rien dire, mais bon, vous savez très bien, enfin, pour ceux qui me connaissent, la roquette, c'est. Je déteste. Donc, on va ouvrir le coffre à couronne. Voilà, là, ça fait déjà un peu plus plaisir. 311 d'or, les gars. Oh là 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 là. Là, ça fait plaisir. Franchement, ils ont bien fait de le booster un peu parce que. Il y en a marre d'avoir que de la merde, quoi. Bon, horde de gargouille, on s'en fout un peu. Tesla, mais alors là, t'as intérêt à bien te rattraper, mon petit, parce que sinon, ça va. Ça va. On va dire que ça va. Non mais je racle la gorge, hein, c'est tout ça. C'est pas du tout pour gueuler un coup. Non, pas du tout, pas du tout. Il y a aucune arrière-pensée hein, en ayant fait ce truc. Bon. Non mais bon, j'ai eu que de la merde, hein, c'est pas très grave. Hein, voilà. Bon, en attendant, on va attaquer et on va ouvrir le coffre à couronne. On va se faire une ou deux attaques. Et puis après, on ouvrira l'autre coffre à couronne. Putain, j'ai du mal à parler tant que je suis fatigué. Et puis voilà, donc moi, je vous dis à tout de suite pour attaquer, faire des bonnes attaques, comme d'habitude. Et puis voilà, allez, c'est parti. Allez, c'est parti, les gars, on est contre balle 100, enfin, balle 15, je sais pas quoi, là. Enfin bon, on s'en fout un peu, donc on commence, hop, on envoie les troupes les plus fortes. Voilà, et puis après, on fait plus rien. On fait plus rien parce qu'on n'a pas envie de faire quoi que ce soit. Ça va qu'on a le bombardier qui nous protège un peu tout ça. Après, regardez, petite astuce. Regardez, même les barbares ils sont niqués, ouais. C'est génial. Franchement, on commence trop bien, les gars. Regardez-moi ça un peu. Voum. Hop là. Et nous, il nous reste plein d'élixirs. Lui, il lui reste presque que dalle. Du coup, on va pouvoir contre-attaquer assez facilement. Hop, on fait ça. Nickel. Et puis voilà. Moi, je pense que c'est tout. Jusque-là, tout va bien. Ok, nickel. Ouais, ça va. On va dire que ça va. Hop, voilà. Et là. Ah, même pas un petit coup. Dommage, dommage. Franchement, dommage. Hop. Donc, ce qu'on va faire, on va faire ça. On va faire ça. Et puis après, on va faire ça. Voilà. Donc je pense que là, il y a peut-être moyen de quand même bien attaquer. Avec tout ça là. Mais le mec, il a pas compris que le bomber, ça nique tout. Ouais, je pense qu'il a pas compris le mec. Tu vois, il a pas dû. Non, mais t'as vu le bomber, les putains de points de vie qu'il enlève? Non, mais attends.
Les gars, là, on attaque trop bien. Mais c'est génial. Oh, première game, c'est bon, quoi. On est déjà au maximum de la puissance, mon petit. Non, ça fait plaisir. Franchement, c'est... Regardez. Regardez les points de vie qu'il m'a enlevé. C'est de la merde. On est d'accord. Bon, attends, arrêtons de faire de la merde. Parce que, hop, ouais. Bon, c'est pas très grave. Voilà, j'ai perdu une archer, malheureusement. Enfin, même deux archers. Voilà. Bon, ça va, j'ai bien défendu. J'ai enlevé un peu de points de vie. Hein. Pas tant que ça, mais ça va. Ça va. Tout va bien. Enfin, bon. Ouais, je suis vraiment épuisé. Hein. Ça se ressent, quoi. Hein. Putain, c'est un truc de fou. Ah là. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. C'est pas très... Oh non, il... Oh, il... Là, c'est bien, tu vois. Là, c'est bien. Il a bien joué. Mais malgré tout, ça va quand même. J'ai quand même aussi bien géré. Hein. Je sais même pas quand c'est possible que j'ai réussi à survivre. Ou alors là, il est mort. Là, je mets une troupe toutes les 10 secondes. Là. Non, mais regarde, toutes les 2 secondes, il y a une troupe qui part, mon gars. Oh là, il est mort. Là, c'est clair, il est mort de chez mort. Regarde, hop, tu renvoies un petit bombardier. Hop, tu renvoies des petits gobelins. Non, mais là, il est mort. Ah ouais, quoique. Ah, ça fait mal, ça. Hein. Ouh. Ah, dommage. Franchement, oula, putain. Je voyais même plus ma souris, mon gars. Je voyais plus ma souris, je sais pas où elle était partie, disons. Je me dis, merde, elle est partie où, ma souris? Ouais, donc mets-moi ça là, mets-moi ça. Ouais, donc là, ça va faire plaisir. Voilà, donc on met ça. Et puis, on se met un petit bombardier là-haut. Comme ça, tranquille, pépère. On sait pas pourquoi, on a envie de mettre un bombardier. Ah, le petit fou, va. Le petit fou. Merde. Ah, bah, j'ai gagné. Oh, franchement, merci. Putain, ah là là. Ah, j'aimerais bien de pouvoir avoir la même façon de faire là. Putain. Juste, tu vois, juste quand tu perds, tu vois, tu dis juste super combat. Juste comme ça. Ça ferait plaisir. Ah, bah il est là cet enculé, dis donc. Il est là ce PD. Hein? Enfin bon. Ouais, de toute façon, je vais pas me coucher trop tard ce soir, donc hop. Voilà. Donc du coup, on se retrouve tout de suite pour le deuxième combat, les gars. C'est parti. Bonne chance, moi besoin d'avoir de la chance. Contre un niveau 8 alors que je suis niveau 7. Pff, pourquoi j'aurais besoin de la chance? Putain, je suis dans la merde, les gars. Les gars, je suis dans la merde. Hein, clairement, je vous le dis direct, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Bon. Clairement, je vous le dis direct, on est dans la merde. Parce que là, franchement, c'est pas qu'on est dans la merde, mais un petit peu quand même. Enfin bon, c'est pas très grave. Allez, mais tu vas me le poser, ce putain de... Je sais même plus comment ça s'appelle, l'autre, là. Voilà, merci beaucoup. Bon, bah là, il m'a fait un maximum de dégâts, donc je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais pas gagner? Oh, je sais pas. En attendant, je suis un peu dans la merde. Donc, on va essayer de faire ça. On va essayer. Faire un maximum de dégâts, s'il vous plaît. Ah là là, mais il est niveau 8 aussi. C'est dégueulasse, franchement, ce jeu là. Putain, il y a je sais pas combien de niveau 7 et tout. L'autre, il me faut un niveau 8 là. Ce fils de pute là. C'est un truc de fou ça. Oh, dis, ferme ta gueule toi. Hein. Grave concentré, mon gars, grave concentré. C'est un truc de fou. C'est un truc de ma... Vas-y, va-tu enculer. Non, monsieur, bon, là, moi, j'abandonne. Moi, il n'y a qu'une communauté de merde, de toute façon. Non, mais c'est quoi cette communauté de fils de pute, là? Mais c'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça dans toute ma vie, mon gars. Oh, mais c'est un truc de malade. Une communauté, mon gars, mais... Et comment vous pouvez aimer une communauté comme ça? C'est une communauté de fils de... Non, mais c'est vrai, quoi. Regarde ça un peu. Moi, je le défonce, moi. Oh là là, je le défonce, les gars. Mais t'es sérieux? Oh mais je pensais même pas que c'était possible que je le défonce. Oui, oui, oh oui. Oh mais je le défonce. Oh putain. Oh mais je pensais pas, mon gars, que c'était possible. Oh là là, et en plus au dernier moment. Oh là 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 là. Ben j'ai eu de la chance. Il m'a dit bonne chance dès le début. Et ben effectivement j'ai eu de la chance. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais mettre ce gameplay. J'ai beau être vraiment comme une petite merde, là, une petite molassonne, là.
genre à moitié endormi et tout. Mais franchement, magnifique. Oh là 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 là. Oh magnifique. Ah, je vais vous mettre ce gameplay. Ouais, bah désolé, qu'est-ce que je te dis, faut bien gagner, hein. Oh franchement. Oh là 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 là. Oh là, mais contre un niveau 8. Mais contre un niveau 8, putain. Et franchement, ça fait plaisir contre un niveau 8 et tout. Bon, bah moi je vous dis à tout de suite. Oh, en plus arène 5 et tout. Ah, ça fait plaisir. Dommage que c'était pas lui arène 5. Donc moi je vous dis à tout de suite. Bah pour ouvrir le coffre, franchement ça fait plaisir. Bon, on n'était pas trop dynamique parce que je pensais que j'allais perdre comme une merde. Parce que généralement, niveau 8 sont tellement puissants que. Enfin, tu vois le délire quoi. Mais en attendant, ça fait plaisir. Donc, du coup, moi je vous dis à tout de suite pour ouvrir le coffre. Et puis voilà, allez, c'est parti. Donc, voilà les gars, on a nos 3 dernières couronnes pour ouvrir le coffre à couronne. Non, c'était pas drôle, mais bon, c'est pas très grave. On ouvre le coffre à couronne en espérant que cette fois-ci, il nous donne quand même de meilleurs. Carte, hein, parce que tout à l'heure, c'est pas que c'était de la merde, mais genre vraiment de la merde, mais un petit peu quand même. Voilà, donc du coup, 292 d'or, 3 gemmes, ça fait toujours plaisir. 6 barbares, on va dire que ça passe pour le début. Ah, recommence pas, hein. Bon, la horde de gargouilles, bon, oui et non, hein. Ah, voilà, les flèches, ça c'est bon, hein, là ça va, là je dis oui. Voilà, sinon t'as... Oh putain, il va me faire m'étouffer un jour, hein. Arrête avec tes roquettes. Enlève-les du jeu, Supercell. Enlève-les, tu les prends, tu vois, tu les prends comme ça. Tu, avec ton clic de souris, tu les prends. Chut, hop, et tu les envoies dans la corbeille de ton ordinateur. Boum, comme ça, elles n'existent plus. Après, tu vides la corbeille et boum. Basta, plus de roquettes. C'est de la merde. Pareil pour les boules de feu, d'ailleurs. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou. Je m'en bats les couilles des roquettes. Oh. Oh là là. Bon, et ben on a fini comme de la merde. Non mais c'est les pires coffres à couronne que j'ai pu ouvrir jusqu'ici. Le premier c'était de la merde, le deuxième mais encore pire. C'est un truc de fou. Oh là 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 là. Non mais vraiment de la merde quoi. Pff. Mais bon, on va dire que c'est pas très grave. Ah plein. Voilà, on va dire. Mais non, je vais pas acheter l'autre. Bon, c'est pas très grave, on s'en fout. On se fait arnaquer nous. Bon, du coup ce que je vais faire. C'est que je vais vous quitter là. Et puis moi, je vais aller bouffer. Parce que bah, j'ai faim. Bah, j'ai faim. Mais il est quelle heure pour que t'aies faim? Bah, il est 21h30. Ouais, j'ai faim. Bon, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Bon, ça n'a pas été une vidéo très punch. Hein, parce que bon, bah, c'est vrai que c'est jamais vraiment très punch. Mais il y a des fois, ça arrive. Hein, généralement, le soir, je suis plutôt punch. Mais là, fatigué. Voilà, donc moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et puis bah je vous retiens pas plus. Allez, ciao tout le monde. Ciao.